Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en Valais, en Suisse, et puis j'aimerais essayer de voir les animaux. En tout cas, la nature est magnifique, il fait beau, il y a de la neige, donc les conditions sont super. Après avoir vu le grimpeur des bois, j'ai pu observer un groupe de becs croisés des sapins. Grâce à la forme particulière de son bec, cet oiseau il peut facilement extraire les graines des pommes de pin dont il se nourrit. Et maintenant, c'est l'heure de trouver une belle place de bivouac. Je suis dans une zone quand même assez pentue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un petit endroit qui est assez plat, ici. Et puis, c'est là que je vais installer mon camp. Si vous partez vous aussi faire des bivouacs dans la nature, et puis qui fait un petit peu froid, il faut utiliser des rameaux de sapin, comme ça, assez frais. Il faut juste faire attention à les prélever sur des arbres assez grands, assez robustes, et puis surtout sur des arbres différents, pour être sûr de ne pas mettre en danger la vie de l'arbre. Et puis ensuite, vous les éparpillez dans la forêt, et puis ils se décomposeront normalement, et ils feront de l'humus. Donc le but de ce petit matelas, c'est de faire une couche d'air, qui isole un petit peu du sol, surtout quand il y a de la neige. Et puis en plus de ça, ça peut faire en matelas, en dessous de votre matelas de camping. Donc c'est peut-être plus confortable si le sol est assez dur. Bon, je me suis fait un petit peu de bois pour le feu. J'espère juste que j'arriverai à l'allumer parce que j'ai pas prévu de papier. Voilà l'Obergabelhorn. C'est l'un des plus beaux sommets des Alpes selon moi. Et déjà, la nuit tombe. Finalement, j'ai quand même réussi à bien faire démarrer le feu. Déjà nuit, il est pas très tard, il est seulement 7h. Je me suis fait un petit feu. Bon, il a un peu de la peine à prendre parce qu'il y a tout qui est mouillé, mais ça va me réchauffer un petit peu. Et puis je pense que je vais me coucher, dans pas longtemps. Et puis demain, je me réveille bientôt.
Alors je viens de finir de ranger mon camp et puis je vais m'en aller tranquillement pour aller marcher de l'autre côté de la vallée, dans le glacier, et aller découvrir une grotte de glace. Mais sur le chemin... En ce début d'hiver, les chevreuils profitent des prairies où la neige a fondu. Ils doivent prendre des forces pour affronter une période qui s'annoncera difficile. Oiseau, je parie que vous le connaissez pas. C'est le casse-noix moucheté. C'est un corvidé qui vit dans les régions fraîches, dans les forêts d'épicéas. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci encore pour vos retours. Je prends vraiment du plaisir à lire vos commentaires qui sont toujours plus nombreux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et puis à vous abonner à cette chaîne. Ça me fera vraiment plaisir. À très bientôt.